הנה חזרנו? כן. מה נשמע, איציק? טוב. מצוין. יופי. אוקיי, alors, איציק, tu vas nous lire le texte maintenant. Oui, on y va. Donc, d'abord c'est Eli qui parle, après c'est Iziq. Et moi je vous fais le karaoké, hein. C'est un dialogue. Donc, ani Eli, mi ata, ata Roni, lo. אני לא רוני, אני איציק. זה דוד, זאת חנה. הוא תלמיד, היא תלמידה. מה הם לומדים? הם לומדים עברית. חנה ודוד. איפה אתם לומדים עברית? אנחנו לומדים עברית בתל אביב. חנה, איפה את גרה? אני גרה בתל אביב. דוד, איפה אתה גר? גם אני גר בתל אביב. איציק, כל הכבוד. Tu lis très bien. Ça me rassure. Il est bien, hein? Ça me rassure. Avec la voix et tout. T'as fait voix off, non? T'as vu? J'ai vu ça. Alors, je vais peut-être vous éclairer sur les codes couleurs qu'on a mis, parce que c'est une facilitation à la lecture, c'est très très important. L'hébreu, tout est collé. Vous savez, le B, il est collé au mot, qui suit, etc. Il n'y a pas des lettres orphelines. Voilà. Donc, en fait, on est obligé... Bah de deviner s'il y a quelque chose à vendre. Nous, on va vous mettre des codes couleurs qui vont vous permettre vraiment de vous inciter à la lecture. C'est très, très important que vous lisiez. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage où on fait beaucoup de par cœur. Et au final, ça, on sent que ça s'affaiblit avec le temps. Et non, nous, on vous met vraiment les pieds à l'étrier. On vous met tout sur un plateau pour vous inciter à lire. Alors... Tout ce que j'ai mis en orange, c'est Annie Anachnou, puisque c'est mixte, d'accord? Tout ce que j'ai mis en bleu, c'est au masculin, en bleu ciel, au masculin, en rose, au féminin, comme Ata, Ata, Hi, par exemple. Tout ce que j'ai mis en gras, bleu foncé, c'est les mots de vocabulaire que vous avez dans votre liste et que Iziq a merveilleusement expliqué, ok? Et tout ce que vous avez en... violet ici, c'est les verbes conjugués, l'omdim par exemple ici. Deux conseils que je vais vous donner. Donc, et quand j'ai lu le texte, essayez de essayez de relire le texte avec moi à haute voix. Et quand vous lisez à haute voix et vous me suivez, ok? Vous vous concentrez les lettres. Si je lis par exemple Ani, Eli, Mi, Ata, vous suivez avec moi et vous lisez à haute voix. Ensuite, c'est ce que vous pouvez faire aussi pour vous entraîner à écrire. Vous prenez le texte tel qu'il est et vous l'écrivez de lettres carrées en lettres cursives. C'est quelque chose qui va vous aider de vous entraîner à écrire mieux en hébreu. Bien sûr. Iziq, oui. Si on analyse un petit peu rapidement ce texte. Ok. Donc, Ani, Eli, מי אתה? אתה רוני? לא, אני לא רוני. Donc, tu vois, Eli, il y a deux fois la négation. לא, אני לא רוני, אני איציק. On voit dans ces deux phrases que le verbe être n'existe pas en hébreu, c'est très clair. En hébreu, au présent. אני, Eli, c'est une phrase nominale, hein, en hébreu. אני, Eli, déjà... c'est je suis, oui, Eli. Voilà. Il n'y a pas de verbe. Hop, direct. מי אתה? Qui es-tu? Encore en français, il y a un verbe qui es-tu en hébreu? Non, mi. Qui toi? Qui toi? Donc, Zé David, masculin. Zot Hana, féminin. Zé, masculin. Zot, féminin. Est-ce qu'on veut dire Zé Hana? Non, Zot Hana. Les Israéliens, ils. Non. Ils font attention. On fait attention avec ça, bien sûr. Ça, on fait attention. Hu Talmid, ok. Hi Talmida, donc élève masculin. Et élève féminin. Donc, attends, la différence quand même entre le français et l'hébreu ici, c'est que Zé, David et Zot, Hana, c'est différent en hébreu. Alors qu'en français, c'est pareil. Zé, Hana, Zé, David, c'est impersonnel le Zé. C'est impersonnel. En hébreu, non. C'est pas impersonnel. C'est féminin ou masculin selon ce que vous avez derrière. C'est pour une personne ou pour les objets? Pour un objet. On avait dit Zé, téléphone, Zot, Kos. D'accord? Donc, c'est pas pareil qu'en français. Donc, il faut faire attention. Ouais.
Donc, et ma hem lomdim. Donc, le mot ne dit pas qu'est-ce que. On dit quoi ils apprennent. Ma hem lomdim. OK? La réponse est hem lomdim. On reprend la même conjugaison. Hem lomdim. Ivrit. Si c'était une autre langue, on dit tsarfatit, français, sfaradit, espagnol, etc. Chana ve David. Alors ve, ça veut dire et. Voilà. Hein, ça, c'est et c'est attaché. Voilà. Ve, c'est encore, c'est comme b qu'on a vu tout à l'heure, c'est attaché toujours au mot d'après. Tout à fait. Il n'y a pas de lettre orpheline, comme tu dis. C'est comme. Verra jamais ve tout seul ou les tout seul. Ou c'est comme si je dis ani ve Eli. Mm-hmm. Moi et Eli. Bon, on est bon, on dit moi et toi. Voilà. Et donc, Ani ve Eli garim be Paris. Voilà. Ani ve Eli garim be Paris. Regardez encore une fois, comme je vous avais dit, Eli vous avez rappelé, il n'y a pas de lettre orpheline, c'est toujours attaché. Mm. Donc, moi aussi, des fois, mes élèves, ils les mettent, ça prend à du part. Temps. Ouais. Ils pensent que c'est Hana ouais, ve. Voilà. David, non, comme ça Hana et. Donc faites attention, non, faites attention, c'est attaché. V-David. Voilà, il ne faut jamais avoir une lettre toute seule en hébreu. Voilà. Donc, Hana v-David, Eifo atem lomdim ivrit. Mot interrogatif, donc voilà. On a vu ma, mi et Eifo. Ça vous fait déjà trois questions à poser, hein. C'est beaucoup. Hein. Donc, anachnu lomdim ivrit, b, voilà. Vous voyez, b c'est en et dans. Eh oui. Et c'est attaché, encore une fois. Donc, b, Tel Aviv, b, Paris, b, Barcelona. Chana, Eifo at Gara, Eifo at Gara, réponse, Ani Gara, pareil, Gara, Gara, B, Tel Aviv. David, Eifo ata Gar, Gar masculin, Gara féminin, Gam Ani, donc en hébreu on dit aussi moi, ok, pas moi aussi, Gam Ani, Gar, B, Tel Aviv. Gam Ani, Gar, B, Tel Aviv. Eli, Ani Gar, B, Paris. Eifo ata Gar, גם אני גר בפריז. אוקיי, אני גר בפריז, גם אלי גר בפריז. ואתם, איפה אתם גרים? וואלה, אבל זה קריבה. איפה אתם גרים? alors vous allez dire אני גר או אני גרה. או אנחנו גרים. או אנחנו, c'est un couple. Voilà. אנחנו גרים. Exactement. Itzik, okay. C'est très très clair. Okay. Je te remercie encore une fois. Toda Rabba, comme on dit. Et on se retrouve dans quelques instants pour les exercices. À tout de suite. Voilà. Itzik, donc, ce qu'il fallait faire, c'était compléter l'exercice avec le verbe ou le pronom personnel. Voilà, n'oubliez pas, il y a aussi le pronom personnel. Il n'y a pas que le verbe conjugué. Itzik, tu peux nous donner la correction, peut-être? Alors, bien sûr. Hen, avec la gour, c'est hen, garot. Tel Aviv. Ve David, masculin singulier, gar. בירושלים, אוקיי? אתם אבק ללמוד לומדים. אתם לומדים בתל אביב? כן, אנחנו, פרי. לומדים? Donc là, c'est une question. אתם לומדים בתל אביב? כן. כן, אנחנו לומדים בתל אביב. Voilà, ça ne peut pas être לומדות, parce que c'est אתם. Donc, c'est uniquement masculin. חנה, איפה... Là, c'est un prénom personnel. Et il faut at. Il faut at gara. Ben, il y a déjà le verbe. Donc, on pourrait. Voilà, qu'est-ce le verbe est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a devant un verbe ? Un pronom personnel. Donc, la réponse est Ani gara betel aviv. Ani gara féminin, singulier. Ani gara betel aviv. Chana vesara, avec le verbe lagour, betel aviv. Chana vesara garot. Betel Aviv. Parce qu'il y a deux prénoms féminins. Donc, une plus l'autre, ça fait au féminin hen. Voilà. Là, il n'y a pas un verbe conjugué, donc là, c'est le pronom personnel. Elle mm-hmm. féminin, donc hen, lomdot, ivrit. Hen, lomdot, ivrit. David, talmid, là, il n'y a pas un verbe conjugué. David, talmid, ken, il, oui, ken, who. Hu Talmid. Alors okay. Là, Hu Talmid. Là, on voit bien ici qu'il n'y a pas de verbe être. David, Talmid. Voilà.
Est-ce que c'est un... C'est une langue très simple. C'est ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, et j'ai oublié de dire, Elie, si tu permets. Je devais dire ça au début des cours. Et je dis ça toujours aux débutants. Quand les gens ils viennent apprendre l'hébreu, ils ont l'impression que l'hébreu, c'est comme le chinois pour nous, les Israéliens. Mmh. D'ailleurs, en français, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous dites c'est de l'hébreu. Nous, en Israël, on dit c'est du chinois. Donc, vous venez déjà avec cette idée-là que la langue, elle est très difficile. Et je ne dis pas ça pour vous rassurer, mais la langue hébraïque, c'est une langue très simple par rapport à la langue française. Et je peux te dire qu'elle est beaucoup, beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus, des fois, compréhensible. Il y a plus d'explications. Peut-être en français, on ne m'a pas donné des explications où je pouvais comprendre vraiment à la conjugaison des verbes, etc. Au niveau, il y a des explications. C'est moins arbitraire qu'en français. C'est plus... Je trouve que, enfin, je maîtrise bien l'hébreu, mais le français aussi assez bien. Et croyez-moi, l'hébreu, c'est une langue qui est très, très, très simple, mais vous ne pouvez pas toujours traduire français en hébreu, parce qu'il y a un moment, peut-être pas tout de suite, mais vous allez voir que dans quelques leçons, vous devez, je sais que c'est pas évident et c'est pas facile, parce que quand on apprend une langue, on a une tendance de traduire dans notre langue maternelle, mais là, je serai là avec vous, et elle est bien sûr, pour vous dire, attention, là, vous ne pouvez pas traduire comme en français, et vous allez voir que les deux langues, chacun prend son chemin, et vous allez commencer à réfléchir uniquement, et en hébreu, c'est un travail. Et n'attendez pas toujours que ça soit pareil, parce que des fois, mes élèves me disent « mais en français ?» Je dis « oui, ok, mais l'hébreu, ce n'est pas la traduction de la langue française. » Des fois, je ne comprends pas pourquoi les gens me disent « oui, mais en français, on dit ça. » Oui, et alors ? Ce n'est pas parce qu'en français, on dit ça qu'en hébreu... L'hébreu et le français n'ont pas le même âge. Même pas du tout. L'hébreu a au moins 2000 ans de plus que le français. Voilà, c'est deux langues complètement... plus vieux de 2000 ans, quand même. C'est deux langues complètement différentes. C'est deux langues complètement différentes. Donc, on ne peut pas traduire français et en hébreu. Itzik, deuxième exercice, il fallait répondre aux questions Havanat Hanikra, la compréhension de ce qui est lu. Alors, Mishpat Aleph, phrase Aleph. Ma David ve Hana lomdim. Donc la réponse que vous devez écrire, c'est David ve Hana lomdim ivrit. Ok, David ve Hana. Je vais les attacher, comme ça ils ne vont pas croire que c'est une langue, que c'est une lettre qui est à part. David Vechana Lomdim et Ivrit. J'ai une question, est-ce qu'on aurait pu dire Hem Lomdim Ivrit? Ma David Vechana Lomdim, Hem Lomdim Ivrit, bien sûr. Si vous avez mis Hem, regardez, c'est bon. Regardez, vous pouvez dire aussi Hem. C'est parfait. Ok. Ok. Mishpat Bet. Ok. Eifo David Vechana Lomdim Ivrit. Là, je vais écrire Eli Hem. Au lieu de dire David et Hana encore une fois, Hem Lomdim voilà, Hem Lomdim B, n'oubliez pas ça encore une fois. B, Tel Aviv. B, c'est en et dans. B, Tel Aviv. Mishpat Gimel. Bevakasha. Ok, donc Efo Hana Gara. Hana. Bonne question. Gara. Voilà, Hana gara be Tel Aviv. Mishpat Dalet. Okay. Eifo David gar. Là, vous pouvez écrire Gam David gar be Tel Aviv. On aurait pu dire David gar be Tel Aviv. Oui, ça marche. Mais si vous voulez, vous pouvez dire Gam David. On peut dire aussi Hu gar be Tel Aviv. Tout à fait. Nachon. Hana Talmida. Ken, virgule. Hana Tal Hana Talmida. Facile. Ata Talmid? C'est facile. Ani lo Talmid. Ani Talmid? Non, ata lo Talmid. Eli, encore une fois, je dis, si vous avez du mal, c'est que vous n'avez pas appris bien les lettres carrées cursives. Donc je dis, si jamais vous êtes un peu perdu... reprenez la formation Aleph Bet. Regardez les lettres. N'oubliez pas, Gimel, c'est gauche. Il y a une méthode de comprendre le Gimel, le Zayn, Zayn, Gimel, gauche. Ok, parce que vous avez du mal avec ça au début. Et Zayn, c'est à droite. Donc ça peut vous aider, Gimel, gauche. Vous allez vers le gauche. C'est juste un petit... Moyen. Itzik. Okay. Zaya, Metsuyan. C'était vraiment excellent.
Vraiment, c'est... C'est notre bébé, hein, c'est les bébés. Oui. Moi, j'ai toujours un coup de cœur pour les élèves qui commencent. Et c'est mes cours que j'adore le plus, j'avoue. C'est les cours que, des fois, quand j'enseigne, j'ai même des fois des frissons. Parce que je sais combien c'est important pour vous et combien c'est... Ça peut être des fois peut-être difficile, donc je fais tout pour vous simplifier. J'espère que c'était le cas. Et on va terminer avec quelques images ensoleillées d'Israël avec Kikar Dizengoff. Oui, j'adore. Hein, c'est beau le Kikar Dizengoff. Tu me fais voyager là. Ouais, exactement. Bah, Kikar Dizengoff, elle a été refaite il n'y a pas longtemps en plus, cette place. Avec la fontaine. Très jolie, okay. Qui est vraiment le cœur de Tel Aviv. Dizengoff, le premier maire de Tel Aviv. Alors Tel Aviv, c'est une des plus grandes villes d'Israël avec Yerushalayim. Après Jérusalem. Exactement. Et Tel Aviv, ça veut dire la colline. Printemps. Du printemps, mais ça vient pas de nulle part. Ça vient de la Bible. Dans le prophète Yéhézkel, déjà, on parle de Tel Aviv. Ça se trouve pas là où ça se trouve aujourd'hui. Il parle d'un Tel Aviv qui se trouve en Babylonie. Mais ce nom a été récupéré il y a à peu près un siècle pour fonder, à côté de Yafo, la ville de Tel Aviv. Donc, ville que j'aime beaucoup. Tu aimes Tel Aviv. Mais on aime Tel Aviv, j'adore. Ok, אנחנו נפרדים. תודה רבה, איתי. תודה רבה. Merci beaucoup. Et on se retrouve à la prochaine leçon. Literot.